Winter Day, un peu du même style que les Bulk Day. Je vais te montrer comment une de mes séances pulse se déroule. En plein Winter Arc, je vais faire les choses de la meilleure des façons. Je me suis chauffé en traction, un peu chaud particulière. Là, je vais faire quelques séries de oiseaux halter sur banc, histoire d'être bien. Et puis c'est parti, on va balancer du rowing direct et essayer de mettre lourd. Allez, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Allez, 20 kilos. 10 reps. Normalement, c'est léger. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 30. C'est trop léger. Vraiment. Même si on a l'échauffement encore, mais c'est beaucoup trop léger. Bon là, j'ai remis les 30, on va faire ça bien. Les 30, quand j'étais déraqué, je les ai sentis déjà. Ça va me faire du bien. Par contre, le problème ici à Basic Fit, c'est que l'inclinaison des bancs, il est mauvais. Il est très mauvais, vraiment. C'est les pires bancs que j'ai vus de toute ma vie en salle de sport. C'est la plus grosse inclinaison, j'ai l'impression qu'elle est directement à 35 degrés, 45 degrés, tu vois. C'est horrible. Mais on va faire ce qu'on peut pour se faire mal dans de bonnes conditions. Allez. 8 ou 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. En fait, je perds beaucoup d'énergie en prenant les poids, en m'installant et en faisant le mouvement. Là, comparé au fitness park, je peux pas attraper les haltères directement, tu vois. Je vais voir ce que je peux faire pour essayer de surveiller les haltères, mais je perds trop d'énergie comme ça. Sachant que c'est léger, hein. Mais le fait de prendre, s'installer, commencer l'exercice, c'est relou. On va passer à 40. J'ai les 42 en face de moi, je prends les 42. Comme ça, je serai bien. Le seul point positif que j'ai avec cette salle-là, c'est qu'elle a 3 minutes à pied de chez moi. Elle est vraiment à côté, donc je suis bien, je suis tranquille. Mais le banc, il m'énerve. Le banc, il m'énerve. J'ai pris 42 kilos. J'essaie de prendre les poids directement en bas, ça va être dur, sans me fatiguer. Et puis balancer mes séries. Par contre, en rowing, plus c'est dur, plus c'est lourd, et plus ma prise, elle va être en mode neutre, tu vois. En temps normal, ma prise, elle est en mode neutre, mais mes bras sont légèrement inclinés pour beaucoup plus lever au niveau de mon dos, avoir une meilleure sensation. Mais là, plus on est dans le lourd, et plus j'aurai beaucoup plus de force dans le neutre. Parce que là, mes avant-bras vont beaucoup m'aider. J'ai beaucoup de force dans les avant-bras. Et j'en aurais besoin. Parce que là, ce que je veux, c'est soulever lourd. Je vais soulever lourd. La technique, c'est bien. On l'a acquis, on l'a. Mais là, je suis dans le lourd. Là. Si t'as vu l'épisode 3, t'as compris que là, on est dans un game différent. Allez, c'est parti. Heureusement que les haltères sont un peu plus grosses. Ok. 42. 1. 2. 3. 5, 6, 7,
Putain. Oh. 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 C'est lourd, c'est dur, ça fait mal. Mais j'ai envie de prendre les 50. J'ai envie de prendre les 50. 50 kills, je l'ai déraqué. Je suis actuellement assis sur un poids de 50 kilos. Je prends le temps de bien me poser, de bien souffler. Et il faut que j'envoie 8 reps au moins. 8 reps à 50 kilos. 8 reps où je tue tout. Là, j'ai pas le choix. Je les ai déjà fait à Fitness Park. C'était dur, mais je les ai déjà fait. Là, je peux le faire aussi. Sachant que c'est des poids de basic fit. C'est pas un bon calibrage. Donc normalement, c'est pas des vrais 50 kilos. C'est beaucoup plus léger de 50 kilos. Faut que je les fasse. 42, c'est validé. Mais 50, faut que je les fasse. Absolument. Je vais prendre le temps qu'il faut pour bien me poser. Mais je dois valider la rep. C'est important. Là, ça va être dur. Mais faut qu'on valide. On est là pour ça. 8 reps. J'ai pas le droit de faire moins. J'ai pas le droit de faire moins. Pas le droit de faire moins. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exécution pas parfaite, pas belle du tout. Mais les reps ont été validés. Je vais quand même prendre les 6 kilos, balancer un échec en oiseau alter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gorgis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ok, parfait, parfait. Exercice suivant. Oh. Oh. Et exercice suivant, je vais faire un peu de tirage, mais tous les tirages sont pris. Donc on va faire du bûcheron. Je vais essayer de garder les 50, même si ça va être super dur, je te cache pas. On va essayer de faire 6 ou 6 reps de chaque. Mais moi, je suis adepte du 8 reps, parce qu'en 8 reps, on reste dans l'hypertrophie. Et j'ai pas envie de faire que de la force en termes de travail en exercice. J'ai envie de faire de la force, mais hypertrophie. Tu vois, je vais rester dans des séries hypertrophie, pas des séries de force. Donc, regardez les 50, 8, 8 de chaque bûcheron. Ce qui m'embête aussi, c'est que j'oublie mes bandes. J'ai un peu mal au poignet. Si j'ai trop mal, je serai obligé de baisser au niveau des charges. Mais on va assumer. On va assumer. Les poignets vont se renforcer et vont s'habituer à travailler en étant fragile. C'est pas grave. Le corps va s'adapter. Si je peux le faire, c'est que le corps il est en train de s'adapter. Donc, on va faire les choses bien. Par contre, sur ces conseils, il me suit pas, parce que moi, je suis spécial, ok? J'ai l'habitude de me faire mal, ok? Donc, ça, c'est propre à moi. C'est un mal, mais des bandes. Moi, je suis différent. Allez, on y va. Fais ça bien, les 8 reps. On les assume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va sur latéral. 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Oh. La congestion elle commence à venir. C'est bien, c'est très bien. Mais le mouvement. Le mouvement au bûcheron, il est difficile. Hein. 3 minutes de repos. Et on repart tranquillement. Allez, deuxième. Six, sept, allez, huit, je prends pas l'haltère bien droite à chaque fois, ça m'énerve, allez, oh, ça va être dur, un, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, oh, 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 allez, latéral, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parfait. Oh. Oh. Là, j'ai envie qu'une chose, c'est de baisser la charge. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. On va assumer. C'est important, faut assumer. Fais ça bien. Dernière. Côté. 1, 2, 3, 4, comment 5, 6, 7, 8. C'était plus facile à droite. Beaucoup plus facile à droite. Allez, 20. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, parfait. Exercice suivant. Voilà, je me suis mis sur du tirage horizontal à la poulie. On va bosser en unilatéral. Charge moyenne et puis après double charge lourde. Généralement je suis plus dans le lourd lourd moyen, mais là on va faire moyen moyen lourd. On va voir comment ça se passe. 32 kilos, je sais pas si ça va être trop lourd ou pas. C'est lourd, c'est lourd, mais on va essayer. 2 3 4 5, 6, 7, 8, ok, super lourd, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45 kilos. Et là, je prends les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. C'est dur. C'est dur, c'est lourd. Mais c'est bien. Allez.
Comment... Deuxième. L'autre côté. J'ai mis 39, un peu plus lourd. Pour les deux, je vais mettre 59. Tout à l'heure, j'étais à 45. Ça va aller. Ok, parfait. C'est ça, mec. Non, mais il y a des trucs qui font ça. Alors, tu branches. Non, mais il y a des trucs qui font chier. Ah ouais, c'est un peu. Ah, il disait ça? Ouais. Je pense qu'on va pas avoir. Bon, là, on va tabasser les biceps un peu, tranquillement. Je suis désolé, mais dernière série, j'étais avec des frérots. Je vous ai montré le mouvement, j'ai parlé un peu avec eux. Du coup, j'ai pas parlé au micro. Mais là, là, on s'est isolé. Biceps time, on va faire ça bien. J'ai pris le 20 kg. On va faire 15 répétitions de curl en supination. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Je fais 10 après, c'est trop lourd. Par contre, là, les 18h, commence à avoir du monde. Mais moins de monde qu'à Paris. À Paris et à Fitness Park, c'est impossible que je me filme à 18h. Là, je peux. 10 reps cette fois-ci. 15 reps, j'étais trop ambitieux. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. J'ai mal. J'ai super mal. On va en faire encore une. Et on va se tirer.
parce qu'il y a beaucoup trop de monde et j'ai pas envie de gêner avec ma caméra, tu vois. Quand tu es avec une cam, tu gênes les gens et c'est pas bon, tu vois. Donc je fais encore 10 séries. Après, je vais monter en machine guidée, mais je vais pas filmer. Je vais m'amuser un peu avec du tirage horizontal, poulie. En fait, là, je suis obligé de faire un épisode un peu pilote, un peu test, pour voir le rendu, la qualité de son, si c'est bien, avec la musique, si je peux bien gérer. Et après, je pourrais être bavard après derrière, tu vois. Et aussi, je suis venu trop tard. Je sais pas pourquoi je suis venu à 16h30 pour finir à 18h, là. C'est trop. Faut que je vienne beaucoup plus tôt. Mais au moins, on a notre épisode test, on est bien. On pourra faire les choses bien pour la suite. Je me repose un peu parce que les vents n'empêchent, ça arrache. Et on envoie cette dernière rep. Allez, dernière. Ouf. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ah non, franchement, je suis bien, je me sens bien. Je vais finir la vidéo là parce qu'il commence à avoir beaucoup de monde et on va ranger la cam. Mais on va continuer à faire 2-3 exos de biceps, peut-être faire des shrugs et un peu de tirage. Poulie haute, série longue cette fois-ci, charge moyenne. Et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'avec moi. Mets un petit j'aime, un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.